C'est pas vrai. C'est pas possible. Tu mens, Sacha. Si, Camille, tout est vrai. Mais pourquoi? Pourquoi? Ton fric. Ton putain de fric. J'ai quitté mon bled pourri pour une seule chose, te retrouver et te prendre ton argent. Tu m'es tombé dans les bras comme une poire. J'étais si heureuse de te découvrir, un frère. On aurait pu s'entendre tous les deux. C'est devenu plus compliqué quand tu m'as affirmé que le fric, on n'y toucherait pas. Le fric de papa? On n'y a jamais touché. On n'y touchera jamais. Il porte la poisse. Mamie l'a toujours dit. Il est maudit! Arrête tes délires! La peste, le pouvoir, la malédiction! Mais dans quel monde tu vis, ma pauvre Camille? Tout ça n'existe pas! C'est quand tu m'as raconté ton secret, ton obsession de te venger, que j'ai compris que là, j'avais un truc à jouer. Il n'y avait plus qu'à passer derrière toi. Et tu es vraiment? Après, il n'y avait plus qu'à mettre les flics sur ta piste. Là aussi, c'était bien engagé. Et une fois qu'on t'aurait mis en taule jusqu'à la fin de tes jours, je t'aurais demandé de me confier ton argent. Tais-toi, Sacha. J'ai passé des années à me taire. C'est fini, tu comprends ça? Le bâtard, maintenant, il ouvre sa gueule! Tais-toi, Sacha, merde! Tais-toi! Non, je me tairai pas! Tu sais quoi? Ma mère et moi, on a vécu dans la crasse! Dans la misère! Arrête. On a été humiliés! Et tout a tout eu, hein? Son nom, son amour, sa fortune! Sa mort aussi! Sa mort? Je te hais autant que je l'ai haï!